Shavuatov, Shavuatov, Shavuatov. Ah, j'ai la pêche là, après l'Ech Lecha, je suis bien. C'est quoi après l'Ech Lecha? C'était pas un peu long l'Ech Lecha la semaine dernière? Non, c'était très bien, c'était très bien. On a l'Ech Lecha, il faut le temps de l'Ech Lecha. On a eu le temps d'aller chez... Alors, c'est quoi cette semaine? Cette semaine, c'est la suite. Parshat Vayera. Je m'en doute, c'est la suite. Vayera, il a vu? Il a vu. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, d'abord, qui a vu? Avraham. Ah, Avraham. Et il a vu qui? Il a vu les anges qui arrivaient, ou les arabes, les trois personnes qui arrivaient. Il a vu des arabes. Il a vu... L'histoire, d'accord. Il a fait la Brit Mila. Oui. Et il, après, il était assis dehors de chez lui. Dans sa tente, ouais. Et Hachem ne voulait pas qu'on le gêne quand il est en train de guérir de sa Brit Mila. Parce qu'il avait, il avait quel âge? Il a 99 ans. Donc c'est dur de faire une Brit Mila à 99 ans, voilà. Quoi, c'est dangereux. Et il y a trois hommes qui viennent. Il y a trois hommes qui viennent. Donc il les a vus. Il les a vus. D'accord. La Parasha nous parle de quoi? Ces trois anges, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire salam alaikum. Presque. Oui. Alaikum. Tu vas avoir un enfant. Ouais. Je vais. Il n'avait pas encore eu Ishmael. Détruire ce dôme. Il avait déjà eu Ishmael ou pas? Oui, la semaine dernière. Donc tu vas avoir un autre enfant. Tu vas avoir ton enfant qui va être ton héritier. La d'accord. Grande promesse qui va être chez lui. Ouais. De ta femme. Ok. Et je vais. On va renverser ce dôme et Gomorre. Ok. Et. Troisième. C'est guérir. Il est venu le guérir. Et tu vas être guéri. Pas mal. Pas mal. Mm. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il leur offre du pain. Oui, mais d'abord, il discute. Il dit, vous allez vraiment détruire ce dôme? Là, il se bat pour ne pas détruire ce dôme. Tuer tout le monde. Il va discuter ou plaider, si on peut dire. Il va plaider, c'est exactement ça. C'est le mot, plaider, pour voir si on peut... Sauver ce dôme et Gomorre. Voilà. Est-ce qu'on peut juger quelque chose qu'Avsrout dans cette histoire de ce dôme et Gomorre? Voilà. Il a dit, s'il y a 10 justes, on ne détruit pas. Voilà. Et après, comme c'est un juif, il négocie. Il lui dit, alors 9. Il a commencé à 50, il avait jusqu'à 9. Ouais, ok. 50, 40, 30, allez. Et donc, il n'y en avait pas. Il y avait Lot. Lot, il a été sauvé. Et la ville était détruite. Les 5 villes ont été détruites. Et il y a Lot et Garonne. Non, c'est là. Non, ok, laisse tomber. C'est qui celui-là? En tout cas, la semaine dernière, ouais, Avraham, il a dû se séparer de Lot. Okay. C'était son neveu, il n'avait pas encore d'enfant, mais il y a un problème de morale, il a dû se séparer. Okay. Et cette semaine, Avraham va se battre... Pour sauver Lot. Pour sauver la ville de Lot, qui sont des grands voyous, si on peut dire. Mm-hmm. La semaine dernière aussi, Avraham, il s'est battu pour sauver Lot quand il y a eu la guerre, il a sauvé quand il y avait un problème. Mm-hmm. Et là, on arrive à un dilemme. Vas-y, dilemme. Un grand dilemme. À des moments dans la vie, il faut approcher à quelqu'un, s'approcher de lui. Il a besoin d'aide. À des moments, c'est difficile, il faut... Le laisser. S'éloigner de lui. Alors, et là... Et c'est qui ces gens-là? C'est des gens proches, c'est son neveu. Avraham, il a un neveu, et à la fin de la paracha de cette semaine, la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va naître... Yitzhak. Mais, et qu'est-ce qui va se passer? Ishmaël va l'embêter. Ouais, Ishmaël, qui est plus grand qu'Avraham, qui Yitzhak de... Que Yitzhak. 13 ans, ouais. Ou de 14 ans plus exactement, il va essayer de faire du mal à Yitzhak, mal influencé. Sarah, qui va dire à Avraham, renvoie-le. Et Avraham, son fils qu'il aime, il va le prendre et il va le renvoyer. Donc on a deux histoires, entre la semaine dernière et cette semaine, où Avraham, d'un côté, va avoir besoin d'approcher et d'aider quelqu'un de sa famille, et va devoir le repousser. Voilà, repousser pour sauver quelqu'un de sa famille. Il ne repousse pas Stam, c'est-à-dire c'est que Ishmael, il faisait du mal, il était dangereux, il était nocif pour Yitzhak. D'abord parce que c'était pas un bon bougre, hein, c'était un chasseur, il tirait à l'arc, il avait pas des bonnes midotes, et il avait peur que son fils apprenne les midotes d'Ishmael. Et en plus de ça, Ishmael faisait du mal à Yitzhak, il était jaloux de cet enfant qu'il avait eu avec sa vraie femme et pas avec sa servante, et donc il aurait pu même le tuer. Donc pour éviter, pour protéger. Tu te sépares, mais c'est pour le bien de tes proches. Oui, mais c'est un proche à lui. Avraham, il aimait son fils Ishmael. Bien sûr qu'il aimait. D'où on le sait. Parce que quand Akadosh Baruch Hu dit, tu vas faire la Akedat Yitzhak, le sacrifice de ton fils, il dit, quel fils? C'est de quoi quel fils? Celui que tu aimes. Il dit, mais c'est lequel? Les deux, je les aime. C'est-à-dire qu'Avraham, il est proche de son fils Ishmael, mais d'un autre côté, à un moment, il faut se séparer. Cette question-là, c'est une question depuis Avraham Avinu jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup d'actes qu'on doit faire. Comme on dit, il faut éduquer les enfants avec la... Moi. Baguette. Avec la carotte et le...
bâton. Le bâton et la carotte, il y a un problème. Mmh. Et ça, c'est difficile. Il y a beaucoup qui savent très bien avec la baguette, mais ils manquent d'amour, comme tu dis. Mmh. Il y a beaucoup qui savent donner de l'amour, mais ils manquent de la baguette. Et de la carotte. Non. Et de la baguette. Ils ont... Pas la baguette française. Ouais, ouais, les carottes râpées, on est d'accord. La baguette. Ouais, ouais. En tout cas, on voit l'histoire d'Abraham, du dilemme de l'éducation, ouais, et du comment gérer. Et protéger. Et protéger. Et le même personnage qui renvoie comme Lot, il va lutter pour le sauver. Le même personnage, Ishmaël, qui l'aime et qui fait beaucoup d'efforts pour lui, d'un autre côté, il va devoir l'éloigner pour le bien. Pour sauver Yitzhak. Magnifique. Et cette question-là, on la retrouve tout le temps. Et on espère qu'on peut le maximum travailler avec la carotte. Mmh. Mais si on oublie la baguette... Si on oublie la baguette, eh ben on n'aura pas de petit déjeuner, on n'aura pas de beurre et on n'aura pas de tartine. On n'aura plus à qui donner de la carotte. Parce qu'un enfant qu'on ne tient pas comme il faut, on le perd malheureusement. Et l'essentiel, c'est l'amour. Quand tout est fait avec amour, tout est fait pour le bien. Amen. Sans oublier la baguette, ni la carotte, l'amour et... le chemin droit quand même. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine et beaucoup d'amour dans votre foyer.